Ravi de vous retrouver pour le quatrième épisode de mon Let's Play Another Brick in the Mall. Et j'espère que vous aimez ce Let's Play. Ça a été assez long pour atteindre les vues nécessaires, mais c'est pas grave, je continue. Et j'espère atteindre rapidement les vues parce que franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a beaucoup de choses à faire, donc j'espère avoir la chance de pouvoir vous présenter encore quelques épisodes. Alors, ce qu'on va faire, j'ai laissé passer un peu de temps pour rechercher le coffee shop. Parce que je vais m'attaquer au ce qu'ils appellent assign. Alors, il faut d'abord faire le food court. Le food court, c'est là où les gens vont manger. Et autour, on va faire les bars, le fine dining room. Alors, on pourra peut-être pas tout placer autour, donc on fera plusieurs food courts sans doute. Mais là, j'ai recherché, du coup, je ne le vois pas. Il est où? Le coffee shop. Voilà. C'est là pour la première alimentation qu'on va pouvoir faire. Alors, je suis en bénéfice, grosso modo. Si on voit ici, bon, parfois c'est limite. Ce qu'il y a, c'est que j'ai engagé une personne de plus dans ce bureau-là pour faire la recherche. Alors, évidemment, ça me coûte un peu cher, sans doute. J'ai mis quelques poubelles de plus. Enfin, voilà, j'ai fait quelques petites. Ah non, ça va pas, ça, putain. Me suis gouré, c'est ça, de pas réfléchir. Ah non, je peux pas le corriger en plus comme ça. Zut alors. Est-ce que je peux l'enlever comme ça? Ouais, super. Bon, il va nous faire ça. Ok, donc on va d'abord faire les fondations. Réfléchissons. Ouais, on va faire les fondations. Alors, ce qu'il faut que je fasse, on va être obligé de faire un nouveau store room. Donc on va faire notre coffee shop pas trop gros parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Sans doute comme ça. Le store room, pareil, pas trop gros. Là, on bougera le mur. Je pense qu'on fera le mur ici. Et après, le food court qui sera donc comme ça si j'ai assez d'argent. J'espère. On va faire comme ça. Hein. Pas trop. On va peut-être revoir à la baisse nos. Comment dire, nos espérances. Customer parking. Ok. Alors j'ai plus qu'une personne qui travaille, donc ça va prendre un peu de temps. Ce que je peux faire peut-être, c'est allonger sa durée de travail parce que franchement, je vois pas pourquoi il travaillerait. Après, faut le payer évidemment, mais alors, on va lui mettre 12 heures, comme ça, voilà. Mais il n'y a pas de raison qu'il travaille si peu. Donc là. On est le matin, ouais. Donc j'allais dire on est vraiment en déficit, mais c'est normal, le matin on paye toutes les charges et puis après il nous reste à payer les livraisons et puis les salaires. Et chaque heure on paye les salaires des employés qui étaient là en fait, je pense. C'est pour ça que toutes les heures vous allez voir le chiffre descendre. Donc là on se rapproche du zéro et puis tout d'un coup hop, il redescend un peu parce qu'il faut payer les employés. Ok, donc lui il veut nous construire ça, plus ou moins vite fait évidemment. Il est tout seul, hein, le pauvre. Je suis pas sûr qu'il ait assez de temps pour faire ça en une journée. Très honnêtement. Le mur, on va plutôt le faire là. Je réfléchis. Hein. Toc, toc, toc. Ouais, ce sera bon ici. Ok, ça c'est bon. Alors on fera les portes après. Là il y aura le coffee shop. Il faut que je supprime le mur ici. Il faudra qu'on mette des portes. Les portes ne vont pas être là. On va se mettre sur Hall Door. On va mettre une porte ici. Peut-être qu'on peut mettre une double, sauf qu'elle coûte deux fois plus cher, évidemment. Ouais, on va faire comme ça, comme ça. On va mettre un staff door juste ici. Pour l'instant, on peut peut-être pas. On est un peu short en thunes là. Ah, j'espère qu'on va faire quelques bénéfices à la fin de la journée parce que sinon on aura du mal à finir nos plans en fait. Suis pas sûr qu'on était en bénéfice là, très honnêtement. Ouais, c'était limite peut-être, mais. Alors c'est pas grave, après on va avoir quelques objectifs comme les 10 000 ventes. Qui vont vraiment bien nous rapporter. Mais
C'est quand même compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est cette zone qu'on paye, puisqu'on paye par rapport à la superficie qu'on a et qui bah, nous rapporte pas, quoi. Donc, j'aurais dû faire des commerces indépendants et après, quand on aurait eu plus d'argent, voir ça. Mais là, c'était un peu trop ambitieux, peut-être. Mais c'est pas grave, ça va le faire. C'est juste plus long à mettre en place. Ok, donc ça, c'est bon. On va mettre une grande porte ici, sans doute quand même. Trashcan, on va en mettre un ici. Avant de mettre le trashcan, on va tout prévoir parce que je ne sais pas si j'aurai assez d'argent. Alors pour ce qui est d'abord de ça, on va mettre ça là. Et on va prendre juste, pour l'instant, on va juste en prendre un. Alors je ne sais pas dans quel sens il se met du coup. Ah, c'est la même chose en fait. D'accord, c'est la même chose. Donc on va le mettre là. Donc en fait ils vont acheter dans ce coffee shop et après ils iront consommer dans ce food court ici. Je sais pas combien ça coûte là. Oula, je risque de pas avoir assez d'argent. On va voir. Alors pourquoi il nous dit. Alors je sais pourquoi. Manage. Déjà on va. Réfléchissons, réfléchissons, vite et bien. Build, assign, food court. Donc on va faire le food court ici. On va faire le coffee shop ici. Et donc il nous faut un storage ici. Ensuite, on va manage le coffee shop. Donc ce sera le numéro 7. Il faut d'abord qu'on le lie au storage. Et après, il nous faut un cashier. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas trop mauvais, celui-là? Pour les heures d'ouverture, d'abord, on va le faire travailler 12 heures, très clairement. Et les heures d'ouverture, on va faire de 8 à 20 heures. Ça fait des sacrées journées. Je vous dis pas. Le clerk, par contre, celui-là. On va faire peut-être travailler 8 heures seulement. De 10h à 18h. Ok. Et on va voir si ça fonctionne. Ils seront là que demain. Et là, ça nous a coûté cher en fait, nos petites. Nos trucs là. Bon, j'espère qu'on va revenir dans le positif. Normalement, ça devrait amener du monde, le food court. J'espère que ça va être le cas. Bon, l'avantage, c'est que j'ai l'impression qu'on peut vraiment dépenser. Et se mettre en déficit. Là, je peux plus par contre, j'ai plus assez d'argent. Ah, c'est parce qu'en fait, je plaçais et on peut se mettre en déficit quand on place. Et l'argent est dépensé une fois qu'ils l'ont posé en fait. Je pense qu'on va revenir en bénéfice, peut-être pas cette journée-là d'ailleurs. Je trouve que ça va être tendu parce que ça fait un gros déficit quand même pour l'heure qu'il est. Alors, on va voir ça. En tout cas, demain, j'espère qu'on attirera plus de monde grâce à ce food court. On a fait 440 ventes. On verra combien on en fera aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il y a il y a du monde qui va, comment dire, utiliser notre food court. Ce serait dommage s'il n'y avait personne. Pour l'instant, il n'y a personne, mais c'est pas ouvert. Donc ça paraît normal. Alors il y a le printemps qui arrive, Major Book Release. Est-ce que j'ai des livres? Je sais même pas, j'avoue. Je suis pas sûr d'avoir des livres. Hein. Je sais pas, j'en ai pas vu. Il va falloir aller. Ah, il est ouvert. Ah, il y a du monde. Formidable. Bon, il y a deux personnes pour l'instant, mais bon. En tout cas, normalement, ça. Oh, ils utilisent les toilettes, j'hallucine. Formidable. Je crois que c'est la première fois. Première fois que je vois quelqu'un aux toilettes. Bon, c'est pas la grande foule, mais ce qu'on va faire, c'est qu'après le coffee shop, on va installer le fast food. C'est ça que je recherche là? Je me rappelle plus. Oui, c'est ça. Le fast food. Et donc, il y aura de plus en plus de monde dans ce.
Food court, on va l'installer ici. Et puis on en installera un troisième ici. Je ne sais pas ce qu'on pourra prendre. Je crois qu'il y a le restaurant. Ou... Enfin, on verra. On trouvera bien une solution. Par contre, on perd beaucoup d'argent, j'avoue. C'est qu'à moitié rassurant. Il est 19h. Je trouve qu'on perd beaucoup d'argent par rapport à avant. On va voir ce qu'il en est. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le temps là pour qu'on. En fait, ce qu'il faudrait que j'aie, c'est les 10 000 ventes ici pour pouvoir faire une fois qu'on aura fait les 35%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Ah, on perd 1 000 $ par jour là. Ça fait beaucoup. Je vais vous laisser le temps de faire les 35% ici et peut-être de faire les 1 000 ventes histoire qu'on gagne un peu d'argent. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous reprends pour la deuxième partie de cet épisode et j'ai laissé passer un peu de temps, le temps de finir la recherche sur le restaurant là, ce qui va nous permettre d'ouvrir comment on s'appelle, le fast-food. C'est pas tout à fait fini, mais je vais pouvoir construire déjà, comme ça quand ce sera fini, on sera tout à fait prêt. Alors ce qui se passe, c'est que je perds encore beaucoup d'argent, donc après le fast-food, en fait, on va rechercher autre chose. Ce qu'on cherchera, c'est alors 5, 2, 4, 5, ça c'est bon. Et en longueur, on va le faire. Faut pas que ça nous coûte trop d'argent non plus. Peut-être à 11. Bon, déjà, on va faire cette taille-là. Il va falloir qu'on installe des portes. J'ai rajouté les toilettes parce qu'on avait des clients qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de toilettes du coup. Donc, ça c'était important. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi des portes ici. Ici, donc une ici, je peux mettre ce table d'or ici. Alors là, ça va pas être fini tant que les employés de bureau seront là pour finir la recherche. Mais au moins, le bâtiment lui sera prêt. On perd beaucoup d'argent, hein, honnêtement. Mais j'espère qu'avec la nouvelle recherche qu'on va faire, on va rechercher soit les vêtements. Mais les vêtements, c'est peut-être un peu long, j'ai vu. Ok, donc ça c'est les restaurants. Soit les vêtements, soit quelque chose qui serait plus court. 96 c'est trop long. 24 c'est pas mal. Oh non, tobacco ça fait. En fait, tobacco il n'y a qu'un seul produit donc ça fait vraiment pas beaucoup. On va prendre les chemical products. Là c'est très rapide. En 2 jours ce sera fait. Un petit peu plus de 2 jours mais voilà. On va prélever 4% à chaque tick entre guillemets. Ok, donc on va se mettre sur le fast food ici. Et il faut donc un order counter avec une possibilité de faire la queue. Donc on va plutôt le mettre comme ça. Il nous faut un fast food dispenser. Je sais pas comment les mettre, j'avoue. On va le mettre là. Le fast food warmer, on va le mettre là. Il nous faut un fast food cooker. Oh là, j'ai pas trop la place, j'avoue. Non, ça on va pas faire ça comme ça. On va plutôt le mettre là. La queue, on s'en fout un peu parce qu'on n'en aura pas une aussi longue, je pense. Non, mais ça, il faut mieux que ce soit à côté. On va refaire ça autrement. Ah, je suis pas trop doué là. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre au fond pour le cuisinier. C'est très serré, mais j'ai pas non plus masse de possibilités là, j'avoue. Comme ça. Et donc après ils iront manger là. Ils vont passer dans les cuisines grosso modo, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais bon, tant pis. Ah, j'ai oublié un petit quelque chose. Pour l'instant, évidemment, on fait avec l'argent qu'on a. Après, si un jour on a de l'argent en plus, on fera mieux, évidemment. Mais j'avoue que là, on fait avec les moyens qu'on nous donne. Manage le fast-food, donc il faut déjà le lier à ce storage ici. Ensuite, il faut
qu'on prenne un cacheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. On va faire travailler 12 heures, hein. Ça va être un peu épuisé à la fin, mais de 9 à 21 heures, ça me paraît bien. Un cuisinier, pareil, on n'a pas grand-chose. On va le faire travailler pareil de 9 à 21 heures. Et un store clerk, ok, ça, celui-là. Et le store clerk, on va le faire travailler 8 heures seulement, de 10 à 18 heures, de 11 à 19, allez. Ok, donc ça, je pense que ça va nous mettre encore plus dans le rouge pour le coup. Mais j'espère que toutes ces nouvelles choses qu'on va vendre là nous apporteront les bénéfices tant attendus. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des étagères ici. On peut en mettre une, deux, trois, quatre. Il nous en manque 7 pour avoir la prime. On va bien trouver de la place, hein. Ah merde, il y a la queue ici. Ça, c'est ennuyeux. J'avoue que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Comment on peut avoir trois cacheurs alors qu'on n'a que deux caisses? Ça, c'est original. C'est moi qui ai fait ça? Zut alors. 2, 4, 2, 4, 6. 2, 4, 5. Pourquoi j'en ai mis à chaque fois une de trop là? Ah, par contre, là, le maximum c'est 5, donc ça c'est bon. Et l'autre, l'autre ça doit être bon aussi. Alors j'ai dû réfléchir à la chose. Ouais, c'est ça. L'autre c'est bon aussi, sauf que. Donc là, on a de 2 à 12, de 6 à 16 et de 12 à 22. Peut-être que c'est elle qu'on pourrait faire arriver à 7 heures, rester une heure de plus, voilà, de 7 à 18. Comme ça, il y aura un peu plus de monde. Jusqu'à 18h, ça me paraît plutôt pas mal. Okay, donc on continue à perdre de l'argent, pas tant que ça, ceci dit, hein. Mais là, je pense qu'on va en perdre un peu plus parce qu'on a quand même embauché deux personnes de plus finalement. Donc à mon avis, ça va nous coûter encore un petit peu. D'un autre côté, ça peut aussi, et c'est le but, nous ramener des clients. Donc faut espérer qu'à un moment ou un autre, ça porte ses fruits, cette politique d'extension. Et après, il nous manquera encore, on va rajouter un autre restaurant là. Et ce serait bien qu'on en ait deux à rajouter. Je regarderai ce qu'on peut rajouter. Alors, une nouvelle journée commence. Ce qui m'intéresse vraiment, ça va être de finir ça là. Et je pense qu'après le chemical, je ferai les vêtements. Ah, mon fast-food va être inauguré. Et je vais voir comment ça se passe. Donc ils viennent là. Et après, eh ben là pour l'instant il n'y avait rien, d'accord, donc c'est pour ça que. Ok, et après ils vont manger là. Bon, c'est un peu le bazar, ils sont un peu en train de passer à travers les cuisines, mais ils nous en auront pas, ils nous en voudront pas, comme ça au moins ils vont voir que tout est frais. On ne cache rien chez moi. Ça avance bien. Je pense qu'à la fin de la journée, peut-être pas. Je pense que c'est plutôt pour la journée de demain. Ça avance de 4% à chaque fois, mais je crois que mes employés de bureau vont pas tarder à rentrer chez eux. Ah, peut-être si on a encore deux petits tics là. 96. Ah non. Parce que là, du coup, on va faire que 2%. Hein? Peut-être. Ah, super. Ok, donc on va prendre les vêtements. Alors, on a beaucoup de choses à faire encore. Mais ah non, ce que je voulais faire, c'était le road network pour pouvoir relier à la deuxième entrée là. Ça, je pense que ça nous apportera des clients. Ok, donc là, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir faire la première mission là, qui consiste à vendre 40 produits. On va essayer de le faire en ne construisant rien. Ou alors, on peut déjà d'ores et déjà commencer à agrandir. Je pense qu'on va commencer à agrandir. Notre travailleur, il n'est pas prêt d'être là. On va commencer à rajouter les étagères. Alors, je pense que tout ce qu'on a là, tout ce qu'on a eu, c'est.
Ça doit être sur des shelves. Comment ça s'appelait ce qu'on venait de faire? Ah, je sais plus, sérieux. Household goods? Non. Ah, ça va être mélangé. Là, il y a le détergent. Cosmétique, déodorant. Ah, ça doit être ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a pas mal, en fait. Donc, tout ça, en tout cas, c'est sur des shelves. Donc, des shelves, c'est là. Pourquoi j'en ai pas mis là? Alors que j'aurais pu en mettre, peut-être. Ouais, on va en mettre là. On va peut-être pas mettre celle-là pour la circulation. Et on va mettre tout ça en place au fur et à mesure. Ah, ce qu'il faut que je fasse, ça je peux déjà te dire. Ah non, faut que j'attende le mec qui travaille quand même. S'il n'est pas là, on peut rien faire. Allez. Qu'il est sérieux, il arrive tard. Non, il veut pas venir. Alors lui, c'est celui qui remplit les rayons, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui les construit les rayons. Ah, cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut assigner ici? En fait, ce que je vais faire, c'est tout, et on va tout remplir comme ça. Ça nous évitera d'oublier des choses. Ok. Et j'espère que toutes ces marchandises en plus nous aideront enfin à arriver dans les bénéfices. Je serais tenté de mettre. Alors, on va mettre des shelves, c'est sûr. 3, 4, 5, 6, 7. Franchement, on est bien là. On aura largement les 40 produits. S'il faut que je fasse quand même ces select assign, hop, store. Il faut agrandir ce magasin-là. Ok. Ce que je voulais mettre, c'est une poubelle aussi, pour maintenir la propreté de ce magasin à son meilleur niveau. Et du coup, on va assigner les marchandises en regardant bien qu'on n'ait pas oublié quoi que ce soit. Ok, ça m'a l'air pas mal. On fera une sorte de pharmacie, un Boots. Pour ceux qui connaissent, pas comme une pharmacie à la française, hein, on vendra vraiment de tout. Et j'en ai deux inutilisés là pour l'instant. Bon, on verra. Là, on est déjà rendu à 40. Ah, ça c'est cool. Alors, ça va donner un peu plus de moyens. Et j'espère que. Alors, ce que je vais faire, c'est que. On va attendre. Ça, j'aimerais bien le bouger. On va la mettre là. Ok. On va voir hein, si on verra le jour suivant si on fait des bénéfices. Là, il est trop tard pour en voir déjà les résultats. Tout ce qu'on a pu installer. Mais bon, on n'est pas si loin malgré le fait que le food course là nous coûte très cher. On n'est pas si loin des bénéfices. Bon. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. On va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut surveiller de toute façon, c'est déjà les places de parking. Là, on a eu un pic à 52, donc ça veut dire que déjà il y avait plus de monde dans le supermarché. Les ventes aussi ont bien augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire bientôt? Bon, le profit, j'y crois moyen. Les nombres de clients sur le site 45, ça m'étonnerait qu'on arrive à doubler juste comme ça. Pourquoi pas, hein, mais je trouve ça assez peu réaliste. En tout cas, il y a du monde. Je trouve qu'on est pas mal. Là, il est 10h et on est déjà quasiment plein sur le parking. Je préfère commencer à prendre les devants.
On va en faire 3 de plus. Parce qu'en plus, mon ouvrier est là, donc j'aimerais pas qu'il parte au repos. Ouais, il n'y a pas de place sur le parking, donc ça veut dire déjà qu'on a plus de clients. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. Ok. Bon, je pense que ça fera l'affaire. 60, on va être à 62. Il y a la queue, où ça? Ah, au fast-food. Bah là, on va pas pouvoir faire grand-chose, hein, parce qu'on va pas pouvoir mettre deux queues sur le fast-food. C'est un petit regret, par exemple, c'est qu'on puisse pas gérer les prix. Je crois pas. J'ai beau chercher. Alors peut-être après, avec les recherches, j'ai pas assez joué, sans doute, mais qu'on puisse augmenter les prix, par exemple, ou ce genre de choses. Par contre, là, on est dans le bénéfice, alors que on a loupé des ventes parce qu'il n'y avait pas de place de parking. Donc c'est plutôt bon signe pour demain. Demain, on va faire les choses. On aura assez de places de parking. Tout sera vraiment bien réglé pour que ça se passe pour le mieux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Et ce sera la dernière journée de cet épisode. En espérant qu'elle se finisse par. Là, j'ai fait des bénéfices, je crois. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai 62 places. Hein. C'est 6 de plus, faut pas. Je pense que ça suffira. Même à 4 h, il y a du monde hein, quand même qui fait ses courses déjà. C'est plutôt pas mal. Y a toujours ces deux lignes là qui sont vides, mais honnêtement, je saurais pas quoi mettre dedans pour l'instant. Et prochain épisode, en fait, on reliera cette sortie là. Ce qui, à mon avis, nous amènera d'autant plus de clients. Alors, je ne sais pas si ça va doubler le nombre de clients. Ça m'étonnerait que ce soit un avantage aussi fort dès le début. Mais je suis persuadé que ça va déjà quand même augmenter, sans parler de doubler. Il y a quand même pas mal de monde dans le food court. On a encore des places assises de libre. Mais on commence quand même à être un peu plus occupé. Ça, c'est cool. Par contre, pour les places de parking, par rapport à l'autre jour, on est très loin du maximum qu'on a pu atteindre. Hein. Je suis un peu inquiet sur les bénéfices là. Visiblement, peut-être que les embouteillages de l'autre jour ont calmé tout le monde, les ont découragés. Merde, c'est où qu'il y a des problèmes? Ah, c'est là. Même à 18 h. C'est quand même terrible ça. Manage ici, staff. Lui, elle est faite de 10, de 2 à 10, de 7 à 11 et de 12 à 22. Donc en fait, ce serait, si je dois faire rester quelqu'un plus longtemps, c'est lui jusqu'à 19 h. Ok, donc on fera pas de bénéfice aujourd'hui, hein, très clairement. Ça n'a pas été la grosse influence comme ça a pu l'être le jour d'avant. C'est pas grave, on va encore essayer une nouvelle journée peut-être. Et on va arrêter l'épisode. J'aimerais bien arrêter sur un bénéfice. On est limite, hein, on y est presque. Alors on fera la route après. J'espère que la route d'ailleurs coûte pas trop cher. J'ai un peu peur qu'elle soit hors de prix, mais. Ce qu'il y a, c'est que là, on n'est pas prêt d'avoir une quelconque subvention. Donc si on veut réussir à faire des bénéfices, il faut que ce soit là, maintenant. Hein. Très clairement. Si on n'en fait pas maintenant, on va avoir du mal à trouver une solution. Si on n'en fait pas maintenant, je veux dire avec la route, hein, évidemment, quand la route sera là. Alors, je sais pas combien ça coûte. Hein, une route, c'est 300 $. Je pourrais la faire déjà, ceci dit. Mais ouh là 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 là, ouh là 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 là, oui, ça va coûter un peu cher quand même. Ouais, je pense qu'on a assez quand même. On va commencer à lui faire faire ça. On y est presque, hein, donc il peut y aller. Par contre, j'espère que c'est celle du bas qui est ouverte et pas celle. Il y en a une autre. Hein. Il y en a deux autres. J'espère que c'est bien celle du bas qui est ouverte. Ou alors on choisit peut-être, à la rigueur. Ce serait bien qu'on puisse choisir. Parce que là, j'avoue que sinon, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Mais bon. J'ai pris le risque. Ah, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu mieux parce qu'elle est à 300 $
Alors ça c'est cool. Ce que je cherchais c'est les vêtements maintenant. Les vêtements, je crois qu'il y en a beaucoup. On est sur 2, 4, 6, 8, 10, 10 produits, ce qui nous permettrait d'avoir les 25 000 de subventions en plus. Et les 18 heures, on va pas faire de bénéfice. Ah, ceci dit, il y a des moments, ça va très très vite, ça pulse. Ouais, peut-être, peut-être. Après, plus on est tard, moins ça nous coûte cher parce qu'on a moins d'employés. Mais évidemment, moins on a de clients. Forcément. Mais c'est vrai que c'est souvent quand même en fin de journée qu'on arrive à redresser un peu la barre. On va faire légèrement des bénéfices. Ce qui est plutôt rassurant. C'est mieux que rien. Alors, on va essayer de clôturer, de boucler cette route-là. Ah, ça m'a l'air de marcher. 20 000. Oh yes, unlock. Alors là, on a pris, on va être en sacré déficit parce que tout ça, en fait, je crois que ça n'a pas été compté dans les dépenses. On va voir, mais si je me souviens bien du fonctionnement, c'est compté dans les dépenses une fois que c'est construit. Et il nous reste plus que 2 000 $. On va être dans le rouge là. C'est pas grave. On fera avec. En tout cas, on va faire un peu de bénéfice. Et puis dès que ce sera ouvert, j'imagine, j'espère qu'on va faire beaucoup d'argent. Je crois que c'est ça le principe. À chaque fois qu'il va finir un bloc de route, ça va me coûter 300. Donc on va être assez vite dans le rouge, je dois dire. Tant pis. Il faudrait vraiment qu'on fasse des bénéfices. On a fait combien hier? Un petit 75 $? Ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est déjà ça. Je trouve que le supermarché est de plus en plus sale alors que normalement on avait bien réparti l'équipe de nettoyage. Mais bon. Ouais, ça fait mal là. Ça fait un peu mal. Il en est où là? Oh putain, il est loin de. Je suis sûr qu'on va être à moins 5 000 ou moins 6 000. Au moins, je dirais. Peut-être la version optimiste. Hein. En plus là on va pas être en bénéfice. Il faudrait qu'on soit un peu mieux à cette heure-là. Ah, on n'est pas une entreprise à la santé économique extraordinaire, j'avoue. Moins 3 000 exactement. Ah non, c'est le hasard. Parce que là, techniquement, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh là 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 là, il lui reste. J'ai au moins 9 000 de dépenses là. Ah, J'espère qu'après il va cartonner. Question bénéfice, j'espère qu'on va cartonner parce que pour remplacer ça, ça va être compliqué. Mais ne serait-ce que. Il suffirait qu'on cartonne juste un petit peu une journée. Pour atteindre les 2 000 de profit là, et ça nous suffirait pour vraiment relever la situation. Mais là, on a bien géré les flux. Ah, on a trop de monde. Ah, mais j'ai plus d'argent, hein. C'est même plus la peine d'y penser. Je trouve que là, on a du monde. Ah, on a tellement de monde que on n'a plus personne pour se garer. On n'a plus de place de garage. On n'a plus de place dans les toilettes non plus d'ailleurs. Alors pourquoi aujourd'hui autant de monde? Je sais pas. Viral outbreaks. Ah, c'est ça sans doute. Ça amène beaucoup de monde dans le supermarché. Une épidémie. Je pensais pas que. Ah, au moins ils vandalisent pas le supermarché, donc c'est déjà ça de pris. Mais du coup, on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde, j'avoue. Mais là, on va faire des bénéfices, c'est sûr, parce que c'est le soir qu'on fait pas mal de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup moins de personnel. Mais ce magasin-là, quand même, il y a beaucoup moins de monde, hein. C'est vraiment dommage. À 8 000 $.
il a construit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh là là, il reste, j'ai encore en moins 9000 à faire là. Je me demande si ça va pas nous mettre en faillite, hein. On va voir, mais. J'ai peut-être été un petit peu optimiste, j'avoue. On va tout de suite le voir quand il va arriver là, parce que je pense qu'il va bien avancer. La vidéo fait déjà 34 minutes, mais c'est pas grave. On va. Ah, voilà, il arrive. Notre héros qui va peut-être nous mettre en faillite. C'est pas impossible. J'avoue que j'étais assez impatient de rejoindre cette route, mais si ça nous met en faillite, c'est ballot. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du monde au fast-food, hein. Il faudra vraiment que j'arrive à trouver une solution. Ah, c'est sûr que tout seul, il avance pas trop, j'avoue. Ça prend du temps. C'est pas l'idéal. Et je sais pas où elle est la science pour pouvoir emprunter, self-monitoring. Ah non, en fait, pour pouvoir emprunter, c'est pas une science, c'est qu'il faut avoir 200 $ de profit sur 10 jours. Eh bien ça, on ne les a jamais eus très clairement. Ah, ça, il me saoule. Je me demande combien de jours il va mettre pour finir ça quand même. C'est assez décourageant. Je suis pas sûr de pouvoir embaucher quelqu'un d'autre, j'avoue. Hire builder. Peut-être que si. Si, il c'est fait. D'accord. On va le mettre sur 12 heures. Je pense que son pote, il était sur 12 heures aussi. Ouais. Comme ça, une chose est sûre, c'est que demain, on finira le truc. Parce qu'en fait, il n'en reste pas tant que ça. Oui, alors là, il y a vraiment un problème sur ce magasin-là. Le soir, il y a vraiment trop de monde, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout le monde. Je vais laisser le temps tourner. Il va travailler 12 heures jusqu'à 14 heures. Et lui, au lieu d'arriver à 8 heures, il va arriver à 9 heures. Ok. Et lui, il va arriver à 10 heures. Ok. Ça va nous coûter plus cher, mais ça, on aura plus de monde. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui ces gens-là? C'est qui eux? Pourquoi ils sont là? Ils sont censés travailler là, non? Et pourquoi un truc qui m'échappe là. Si je clique dessus, ça fait quoi? Cashier, hanging around. Ah là, il y a un petit bug quand même parce qu'ils s'appellent tous pareil. Très étrange, honnêtement. J'espère du coup qu'ils vont pas me faire payer les salaires deux fois, quoi. Mais bon, je relancerai le jeu un petit peu plus tard. Là, ce que je veux vraiment voir, c'est cette route finie. Voir si ça m'amène la clientèle espérée. Ah, déjà, c'est un peu plus rapide, je veux dire. Ça, c'est cool. Ce qu'il faut, c'est que. Ouais, alors, lui, c'est que je pourrais pas avoir 100 personnes sur le site si j'ai pas 100 places de parking, grosso modo. Ça me paraît assez logique. On va voir ça. Par contre, une fois qu'ils auront fait ça, je les garderai. Mais, oula, oui, je crois que ça va amener du monde. On risque d'avoir un petit souci de place de parking. Ce que je vais faire, c'est que je vais les garder, mais je vais diminuer leurs horaires à 6 heures. S'il faut, si on a des choses à construire, on les rembauchera. Alors, le problème, là, c'est que je vais plus avoir de place de parking, quoi. Alors, je pense qu'on va faire des bénéfices. Ok, alors ça c'est cool. On va continuer sur le. Du coup, sur le bar, pour pouvoir faire un troisième restaurant ici. Et ici, on va mettre Assign. J'ai vu ici.
Men's shoes, men underwear. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut mettre, mais on manquera pas de mettre la suite dès qu'on peut. Ça, j'y peux rien. En fait, là, il n'y a pas de solution pour l'instant. La solution, ce serait peut-être d'ouvrir juste plus longtemps, en fait. On va ouvrir jusqu'à minuit. Et on va ouvrir tout le temps. Comme ça, ce sera plus simple. On va les faire travailler tous 12 heures. Le stock clair aussi, ouais. Et on va les faire travailler tous 12 heures, comme ça. Ouais, ça c'est parfait. Lui, c'est parfait. Et lui, comme ça. Ok, donc là, on va voir si on fait des bénéfices avec... Il est déjà 1 heure. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais comment ça se fait que là, il y a un problème? Il y a vraiment un bug. Je relancerai, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça me coûte plus cher sur les salaires. Mais j'ai pas l'impression de les payer là, ces gens qui sont en triple ou en je sais pas combien de. Par contre, c'est bizarre, c'est que le magasin est pas ouvert là. Il y a vraiment un bug. Hein. Il va falloir que je réouvre le jeu, mais déjà, je vais voir si je suis en bénéfice. Il est 8 h, on est pas mal. Il va vraiment falloir que je place que je fasse des places de parking, très clairement. Mais j'ai pas d'argent, hein, donc pour l'instant, il est hors de question que je fasse des places de parking. Miss sell opportunity, queue full. Oui, mais ça, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, vu l'agencement, on va se contenter de ça. Il est 13 h et je suis déjà quasiment en bénéfice. Donc c'est plutôt sympathique. D'habitude, ça vient plutôt vers 15-16 h. Donc ça c'est bien. On va, j'espère, avant la fin de la journée, voir les chiffres s'améliorer. Yes. Oh. Yes. Ah oui. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'on va atteindre les 2000. Je pense qu'on n'atteindra pas les 2000 tout de suite. Mais l'essentiel étant maintenant que si je laisse tourner le jeu... I'm coming, my love. Si je laisse tourner le jeu... Ah voilà, 500. Ah si, c'est pas mal, hein. Les 2000, c'est pas tout à fait bon, mais on est quand même pas mal. Bon, je vais vous laisser, je pense qu'on va s'en sortir. Après, il faut peut-être que je laisse tourner les jeux quelques jours, mais il faut qu'on repasse dans les positifs pour pouvoir faire plus de places de parking. Et à partir du moment où on aura fait les places de parking, je pense qu'on va commencer à avoir des queues interminables. Il va falloir plus de caisses, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, là... on est pas mal sur les articles vendus, mais il faudrait que j'en rajoute 7. Je les ai les 7 dans la liste. Hein. Avec les vêtements, j'en ai largement 7, mais j'ai plus trop de d'étagères de. Comment ça s'appelle? Pas d'étagères de rayons, quoi. On verra. Allez, je vous laisse parce que l'épisode est très très long. J'espère que ce let's play vous plaît. Je vous encourage à aimer la vidéo si c'est le cas. À me laisser des commentaires. Vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez me donner des idées de jeu, des idées sur ce let's play. Je crois que c'était vraiment une très bonne chose à faire de relier cette deuxième entrée. On va pouvoir quasiment multiplier par deux, hein, honnêtement. Faut vraiment que j'agrandisse le parking et puis que je fasse plus de caisses parce que là, c'est l'influence des grands jours partout. Ouais, déjà, là, c'est déjà l'embouteillage. Alors, bizarrement, il n'y a personne pour la nourriture cette fois. D'habitude, il y a toujours du monde. Là, il n'y a personne. C'est très étrange, ceci dit. Là, il y a un phénomène étrange quand même. Il y a quand même un bug avec ces gens-là qui sont tous là, je ne sais pas, à rien faire. On verra ça. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Enfin, demain, bientôt, j'espère, pour la suite de ce Let's Play.